Alors, ce soir, on joue à Tour Rouge avec mes trois joueurs. On commence par Papa Ours. Drakov, donc. Personnage de Drakov. Drakov qui est un elfe, si je me souviens bien, Sylvain. Très, très adorateur de la nature. Parfois. Trop, oui, exactement. Un peu comme un certain paladin des fleurs, mais version animaux. Voilà. Donc, un extrémiste de la nature. Voilà. Il a voté écolo aux dernières élections. Donc nous avons Max qui lui joue Jaka, donc elf qui est un elfe ermite, donc un elfe des neiges pour plus de précision. Qui, alors pour une fois, il ne joue pas un nain. Non. Il joue son opposé, un elfe. C'est la première fois. Non mais j'ai un elfe sympa, il aime bien les nains. Voilà, à quel hérésie quoi. Il l'aime saignant Ah, il y a des chances. Et pour finir, nous avons Olivier, donc qui joue Linky, un gnome inventeur bourré de talent. Voilà, enfin normalement vous le savez très bien puisque c'est vous qui l'avez créé. Oui. Merci encore du cadeau. Et de dynamite. Ouais, voilà, qui à lui seul a permis l'essor de toute la firme de construction de la ville de Thelma. Et au dernier scénario, c'est moi qui ai porté sur mes frêles épaules toute l'histoire. Quoi. Voilà, je pense. Donc j'annonce, le paquet de cartes mauvaise foi est ouvert. Non, j'ai tout fait. Le paquet de cartes pour flatter ses égos est ouvert. On est bon. C'est ça, on sent la modestie. Donc j'ai un des joueurs qui adore faire ça, donc qui va s'essayer évidemment au jeu du résumé de qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois. Wow. Et puis, nous sommes donc des habitants de la ville de Thelma ou ses environs. Mais nous ne sommes pas de simples habitants, nous sommes des sortes de réservistes pour des missions particulièrement sensibles et opérons habituellement en solo. Dans le cas particulier, nous avons été appelés par nos maîtres, par des gens d'une importance un peu supérieure à ce que... on se fait appeler d'habitude, qui nous ont réunis à trois
pour enquêter sur l'apparition mystérieuse d'une énorme tour écarlate à l'extrémité de l'une des l'extrémité de notre île. Le souci étant qu'en fait, diverses associations de mercenaires tentent de s'accaparer cette tour en se battant donc sur la prairie qui l'entoure. Et donc, cela crée pas mal de remue-ménages, et donc les dirigeants souhaitaient que l'on mette un petit peu de nettoyage à tout ça. Nous avons donc été envoyés pour principalement enquêter sur cette tour qui semblait être habitée. Nous avons donc traversé l'île sans grande encombre, après avoir reçu le soutien matériel de ces grands chefs, pour nous montrer leur soutien. Nous sommes arrivés donc devant des mercenaires qui s'affrontaient et avons habilement évité le combat pour nous rendre directement au pied de cette tour qui est effectivement habitée par une personne d'allure assez étrange qui nous a proposé de nous embrigader dans son organisation qu'il nomme la Tour Rouge. Pour entrer dans son groupe, il nous faut subir une épreuve. Nous avons donc passé une porte étrange qui nous a téléporté dans un désert fort peu amical. C'est bien résumé. Ouais. Ouais, avec le peu de concentration qui me restait avec deux imbéciles. Honnêtement, alors, on va y venir. Normalement, je fais ça en fin de grosse partie ou autre, mais les événements qui ont joué... Vous avez réussi à ne pas vous battre. Vous avez réussi à progresser sans conflit. Ce n'est pas rien. Tout pour certains d'entre vous. Les explosions, c'est des conflits pour toi ou pas? Non. Ah, ça va. Tu as enrichi la ville. Je la refais pas aussi. Tous. Fais gaffe parce que s'il utilise de l'uranium la prochaine fois, elle va être très instable. Ta ville. Donc, vous non, allez. Mais en fait, c'est parce qu'on est des gros lâches hein, qu'on ne s'est pas battu. Vous allez tout savoir. Moi qui voulais aller à la base. 4 points d'XP offerts. Je sais pas où ça se met, monsieur. C'est énorme. Alors les 4 points XP, c'est comme les points de génération que vous avez eu, qui peuvent vous permettre d'améliorer soit vos compétences, soit votre magie, ou les stocker pour un achat massif plus tard. 4 points. Je le ferai plus tard, je marque plus 4 quelque part. Ah oui, mais par contre, il y avait une valeur progressive si on oui. prenait, si on augmente. Si tu as déjà les paliers 1, 2 et 3, voilà. Une compétence de niveau 4 te coûte 4 points. Ok. Suite. Sachant que pour l'instant, vous êtes bloqué au palier 5. Vous ne pouvez pas le dépasser. Ouais, j'ai envie de te dire, non, effectivement, je vais me les garder. Juste avant un lancer de défaut, j'ai... Et t'étonne, mais c'est pas d'espérance. Ça s'utilise qu'en début de scénario. On ne peut les utiliser qu'en début de scénario à chaque fois. Sans mourir, c'est mieux. Donc, effectivement, vous êtes apparu dans un désert. Donc, le soleil est accablant. Vous étiez sur une île, une brise marine. Temps agréable, bonne température, soleil de plomb, peau qui se dessèche, la langue pâteuse, vous avez soif, évidemment personne n'a pensé à prendre de gourde, enfin, vous avez vite fait ce que vous aviez pris en partant. J'ai peut-être dans mon sac ce qu'il faut, tu te souviens comment on avait fait? C'est vrai. Quand on passe une porte, on s'attend pas à un changement de climat quoi. Non, c'était pas prévu au programme. Par contre, face à vous, une oasis. Bon, je suis d'accord, à l'horizon, il y a une tempête de sable de la taille d'un tsunami qui s'approche de vous, mais à vos pieds, il y a une oasis. Avec apparemment deux caravanes différentes, distinctes, rassemblées autour. It's a trap. Donc la grande question, évidemment, on commence un scénario, c'est que faites-vous? Ben, c'est toi qui nous as fourré dans ce... On est tous arrivés en même temps ou j'ai pris de l'avance moi tout seul? Ah non, t'es arrivé, ils sont arrivés dans les secondes qui suivent. Ok, moi je vais vers l'eau tout droit. Donc effectivement, le gnome, sans se retourner, il vous attend pas. Lui, il est parti, il a soif. Bah, effectivement, on va jouer au plus logique. Mais je me vois pas me séparer. Il était temps qu'un gnome prenne les choses en main. Je pense que c'était ça l'histoire. Les autochtones en sauront peut-être plus sur ce qui arrive et sur comment éviter ce qui arrive, surtout. Sauf si c'est un piège. Après, on part sur le principe que ça reste de l'illusion, puisque... voilà, on est dans un domaine magique. Donc, est-ce que tu penses qu'on a voulu nous piéger nous pour Argent en comptant au cas où. Parce qu'on arrive un petit peu comme ça, je suis pas sûr qu'on nous attendait particulièrement. Enfin, toi, t'es parti, tu n'entends pas ce qu'il dit. C'est vrai. Je parle à mes égaux. Donc, je tape un sprint et sur le chemin, je l'attrape par la ceinture et je le soulève. Bon, bah, pour qu'il aille plus vite. Bah oui.
Tout droit. Ah mais je suis. Voilà, donc le j'ai gnome. Pas dit que t'étais sur mes épaules, je t'ai dit que je t'ai attrapé comme ça. Le gnome avec ses deux porteurs progresse vers l'oasis donc. Le gnome, ses deux porteurs. Pas le gnome. Une feuille de brouillon à me donner s'il te plaît. Non. Si, c'est bon. Tu te souviens là comment tu m'as traité? Ah, je me souviens surtout que je t'ai fait la cuisine. Oui. Il a dit cuisine, tu peux pas répondre normalement. Ah si, parce que là c'était vraiment justifié. Ferme les yeux et ouvre ta gueule, c'est pas ça. Ah oui, ah, oui non, on lâche pas la carotte comme ça. Ah Guillaume, c'est pas froid que tu vas le manger, c'est à point. Bah, je viendrai plus, c'est tout. Ah, elle viendra te chercher. Bah, c'est un petit cœur fait des pâtes, hein. Moi je suis pas contre. Vous arrivez au berge de l'Oasis. Donc le sable laisse place à un petit peu de verdure. Quelques arbustes arrivent à pousser, donnant un petit peu d'ombre. L'eau est belle et claire. Quelle est la réaction des... Ils sont de l'autre côté, et quand vous approchez, vous entendez des éclats de voix. Mais est-ce qu'ils regardent un petit peu la tempête qui arrive sur eux ou... Ils sont en train de se disputer. Bien, rapprochons-nous. La tempête est visible, donc ils ont peut-être vu. Mais après, vous n'avez absolument aucune certitude. Et moi j'ai comme ça avec mes petites pattes dans l'air, comme ça qui touchent pas le sol, porté par le nerf. Par l'aile, pardon. Je propose qu'on s'approche pour essayer de voir si déjà ils parlent notre langue et essayer de s'enquérir de leur problème. Surtout voir s'ils ont compris qu'il leur arrivait un gros truc sur la gueule. Je fais une réserve d'eau moi pendant qu'ils parlent. Il a toujours pas dit que t'as déposé. Hein. Ah non, c'est vrai. J'aimerais bien prendre de l'eau moi. Elle est dans notre dos la tempête ou elle est face à nous? Face à vous. Face à vous. J'aimerais bien prendre de l'eau, moi, s'il vous plaît. Avec le bras qui me reste, vu que je tiens l'autre, je la remonte. Ah elle fait du bruit, ta tempête? Une tempête qui se... Elle est loin, elle est loin. C'est une tempête avec un silencieux, c'est comme ça, elle n'a personne. Ah ouais, quand même. Bon, ils n'entendent pas. Ils sont en train de se disputer. Et quand on leur montre un truc du doigt, ils regardent pas... Ils vous ont pas remarqué? Ah ouais, carrément. Oui, oui. D'accord. De là où vous êtes, vous voyez apparemment donc un groupe d'humains et un groupe d'elfes nomades. Vous voyez qu'il y a un elfe qui est plaqué au sol par les autres elfes, qui est en train de comme moi, quoi. Qui est en train de hurler, de s'époumoner en essayant d'attraper les hommes en face. Et vous avez une espèce de nomade humain qui est au milieu, qui essaie de calmer les deux parties apparemment. Tu sais pas, vous savez pas trop pourquoi. Je voudrais bien ramener de l'eau, moi, si c'est possible. Est-ce qu'on peut atteindre l'eau sans... On est au bord de vous l'eau. Êtes au bord de l'eau, là. On est vraiment au bord de l'eau. Si tu veux, je vois l'eau et je peux pas la toucher. C'est fou. Bah moi, j'ai presque envie de plonger dedans directement. Lâche-moi avant, par contre. Tout ce que je demande, lâche-moi. Bah, de toute façon, tu vas l'atteindre, l'eau, ça c'est sûr. Mais... À quel moment on est ennemi dans ce groupe? J'ai pas compris, à quel moment, là? Bah disons qu'on a vu ton atelier et du coup, on a moins confiance. Eh, je demanderai, je veux de l'eau, quoi. C'est instable l'eau. Entre les mains d'un gnome, c'est instable l'eau. C'est un peu le principe, on va pas mentir. Bon bah, il chicote, on le lance dans l'eau alors. Vous vous rappelez qu'on est censé être une équipe, hein? Pas, ce serait mauvais pour nous. Pose-le et puis on va bien voir ce qu'il fait. En attendant, on va aller voir si on va essayer de s'approcher du groupe pour voir un petit peu ce qu'il raconte. C'est oui. Des groupes d'humains? Oui, parce qu'il chicote beaucoup. Humains et elfes nomades. Il va s'énerver à faire une connerie. Donc vous le déposez, le gnome se précipite dans l'eau. Il boit à grande goulée et il remplit tout ce qu'il a sur lui en récipient de flotte. Est-ce qu'ils étaient vides et propres, tes récipients? Pourquoi, tu veux boire? Quand t'as soif, t'as peut-être. Soif, hein, tu sais. Est-ce que c'était vraiment de l'eau, quoi? Surtout. Est-ce qu'elle est potable? Tu veux essayer de la goûter? Ah, mais c'est fait. Non, mais il l'a déjà bu. Hein. Et oui, elle est potable. Il est pas bah, il n'en sait rien. Lui aussi, il a soif. Il n'en sait rien. Moi, j'ai bu. Elle est potable. Parce que tu vois, elle est potable. Hein. Elle est belle, elle est claire. Ouais, après, t'auras une tourista, mais ça te regarde. Ouais, c'est la seule source d'eau à l'horizon. Ouais. Tu sais, ils sont dans un désert. Est-ce qu'on va choper la tourista? Prends de l'eau, bordel. Ok. Du coup, ouais. Moi, je vais m'approcher un petit peu pour essayer d'être à portée de voix, de les entendre et voir ce qui se raconte, si je comprends. Donc, tu t'approches. Je suppose que tu le suis, de près. De loin. Ok. Oui, je présume beaucoup trop avec vous, je pense. Tu vois que derrière les humains en train de s'invectiver avec les elfes, il y a 2-3 personnes qui se font tout petits, qui écoutent, mais qui eux vous ont remarqué. Ils vous regardent avec de grands yeux. Ces personnes-là sont habillées avec de grands tissus drapés pour se protéger du soleil.
et vous voyez que deux personnes à la elfes vous remarquent et vous font de grands yeux également. Deux elfes. Ça veut dire qu'on est assez loin. Je parle. Ce sont des elfes sylvains, t'as dit? Non. 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 Des elfes nomades. Nomades. C'est des elfes des sables. Est-ce que on peut comprendre ce qu'ils disent dans leur langage? Mais ils parlent en elfe, ils parlent pas en humain là. Non, mais ils parlent une langue commune que vous comprenez aussi également. Qui est la langue qui sert pour tous les échanges. Ce n'est pas un problème. La langue n'est pas une barrière. Ah, du coup, je vais continuer à m'approcher un petit peu si on s'est déjà fait repérer. Donc, tu vois qu'effectivement, les personnes qui sont pas directement impliquées dans la dispute vous ont marqué et font de grands yeux dans votre direction. Surtout envers la petite créature derrière vous qui est en train d'essayer qui vous rattrape en courant avec les outres pleines d'eau. Moi, je fais des gestes. Moi, je fais ça, moi. Pareil, ouais. Ok, bon, mais je fais ça. Là. Je fais des gestes, de genre, je suis pas. Voilà, je vais pas trouver moi. Mais tu m'as. Je n'ai pas l'intention belliqueuse. Exactement. Y a pas de quoi. En paix, quoi. Ouais. Alors, tu dis ça, et il voit les deux grandes lances dépasser ton dos. Ah oui, ouais. C'est pour ça, genre, si je fais. Non. Tranquille. L'homme qui est au centre du groupe essaie de les faire taire et vous pointe du doigt. Tout le monde se tait et vous regarde. Tu voulais de l'attention ? Non, tu l'as. Bah, c'est bon. Excusez-moi de vous déranger, mais avez-vous conscience de la tempête qui approche ? Ah ça ? Oui, c'est en partie le sujet de la dispute. Ah, et du coup, est-ce qu'on vous avait vraiment... C'est l'homme qui est au centre qui te répond. De vous disputer ou est-ce qu'il faudra pas trouver une solution parce que je ne connais pas très bien mais ça m'a quand même l'air un peu dangereux. Si ils se retournent, tu vois qu'ils se retournent, ils regardent au loin. Plan de repli. Ils regardent encore à nouveau. Ils jaugent un des elfes qui a l'air assez âgé. Tu m'arrêtes si je dis une connerie, mais je pense qu'on a encore une journée peut-être. C'est bien ça. Ça arrivera dans une journée, ça on a encore un peu de temps. Ah ouais, quand même, c'est si loin que ça. Ah bah on n'est pas habitué nous. Ah, et du coup vous avez un plan de repli pour échapper à ça ou... Ah bah fille, on n'a pas le temps là. Ah, et du coup ça va se passer comment? Normalement ces gentils messieurs elfes que vous voyez là sont un peu les gardiens de ce genre d'oasis et sont là pour nous aider dans ces cas là à nous protéger grâce à leurs dons de ce genre de tempête qui ne fait que passer. Mm-hmm. C'est comme se prendre une vague à la plage. Grosse vague. Je suis d'accord. Le problème, c'est qu'il y a maintenant un litige entre ces elfes et les marchands que je dois amener à mon port. Tu vois qu'il a l'air extrêmement blasé lorsqu'il te dit ça. Et quand un litige que nous décrire ? Lequel ? Celui qui parle. Donc, dans les 45 ans, bien fait de sa personne. Humain, lui, par contre. Humain, il est humain. Il a une barbe grisonnante, poivre et sel. Des cheveux qui sont plutôt courts. Il est emmitouflé avec une grande tunique blanche. Vous voyez pas s'il il porte... Il a une allure de combattant ou... Il est armé, ouais. Vous voyez pas s'il est armé ou pas, justement. Il fait plus diplomate que... Là, pour le coup, il fait diplomate. Mmh. Enfin, au moment où vous êtes arrivé dans la situation actuelle, il faisait diplomate. Okay. Et de quelle sorte est ce litige? Peut-être qu'on peut trouver un accord, parce que... À ce moment-là, l'elfe qui est au sol te fusille du regard. Il te regarde. Oui, sa tête. En pointant du doigt un des marchands. Est-ce si grave que cela? Le viol de ma sœur? C'est bon, j'ai de l'eau. Qu'est-ce que vous dites? Donc là, il y a un silence absurde qui se met en place. Là, tout le monde te regarde comme une bizarrerie. Merci. Et une fois qu'ils ont compris que tu venais vraiment de sentir ça, les regards se braquent à nouveau vers toi. Oui, parce que moi je l'ai entendu, je l'ai regardé, je fais. Et du coup. Et le marchand, l'homme au centre reprend. C'est à vous ça? Disons qu'il est avec nous. Ils nous ont service, ils portent de l'eau. Entre autres choses. Merci. Et je vais me tourner du coup vers lui. On a pas l'habitude d'en voir souvent des nains dans la région. Ce n'est pas un nain, c'est un gnome. Oh. Alors je le refais, c'est la première fois qu'on voit un gnome dans la région. Oui, c'est particulier. Les conditions de notre arrivée sont particulières. Ici présent, il est. Et du coup, je vais m'adresser au marchand. Quelque chose à dire pour votre défense? Ce sont tout de même de graves accusations que l'on dirige vers vous. Donc, hop, le marchand. Parce que toi, t'es une autorité, j'avais pas compris.
Bah, faut bien qu'il y en ait un qui parle. Donc, le marchand te lance un regard mauvais, question. Mais il n'y a aucune preuve. Mm-hmm. Et la victime en question, peut-elle peut-être parler et prendre la parole? Là, c'est à nouveau l'elfe qui est plaqué au sol, qui te regarde avec un nouveau regard assez sévère. Si elle pouvait, elle l'aurait dit depuis longtemps. Comment cela? Elle est muette. Oui, j'y ai pensé aussi. Comme votre ami vient de le dire, et tu sens qu'il serre extrêmement les dents en disant le mot ami, elle s'est tue dans le silence depuis cet acte. Demande-moi si t'as besoin. Et à ce moment-là, tu as le marchand qui reprend. Ah, vous voyez, il n'y a aucune preuve. Donc maintenant, vous faites votre travail, vous nous protégez de la tempête. Et là, l'elfe te ressort un nombre d'injures incalculables que tes oreilles d'elfe arrivent à comprendre et vibrent tellement qu'elles sont violentes. J'aurais du coup une question. En termes de distribution, combien y a-t-il d'elfes et de quelle est la taille en fait du groupe de marchands? Il y a 6 elfes devant toi, dont un qui est plaqué au sol. Et tu as 9 personnes en face. En comptant humains. Le mec qui parle. En comptant l'homme qui essaie de faire tampon entre les deux groupes. C'est-à-dire que... Ah, mais si on est 3, du coup, ça fait égalité, si jamais on se classe du côté de ces elfes. Bien. Bah, de toute façon, nous, déjà, on est elfiques, donc on a un petit... Non, pas trop. Oui, non. Bah, les 3 quarts, mais... Pour un oui, vous arrivez aux 3 quarts, mais après, c'est autre chose. Hein. On part gagnant, quoi, quelque part. Mais... Non, mais on pense que pas tous les massacrer, c'est de réussir, enfin... Je me dis que si on est là, grâce au magicien, là, grâce à l'autre, c'est que... L'épreuve est peut-être là. On est peut-être là pour résoudre une énigme. Alors, je vais juste vérifier un truc. Ce sera peut-être plus facile si je te demande directement. Il nous avait dit quoi? Est-ce que tu te souviens de ce qu'il nous avait dit, Cibolas, sur la tour rouge? Sur ce que faisait le groupe de tour rouge? Tu as un elfe qui s'approche de vous. Ça a l'air d'être le plus âgé du groupe. Okay. Et vous venez de quelle ville? Parce que actuellement la ville la plus proche avec votre équipement devrait être la même que la caravane qu'on vient de croiser, donc celle de ces humains. Le problème, c'est que vous n'avez aucun équipement pour traverser le désert. Nous sommes arrivés ici par accident. En fait, c'est par magie, je crois, qu'on est arrivé ici. Par magie? Ouais. C'est-à-dire, dites-moi plus. Alors, c'est un fait scientifique que j'arrive pas à expliquer, c'est ça que j'appelle de la magie. Alors c'était, je vous ai expliqué, c'est très simple. Il y a un truc qui brillait beaucoup, j'ai voulu regarder, j'ai touché, je suis arrivé là. Mais c'est du langage technique, peut-être que c'est un peu du latin. C'est ce qu'on m'avait dit sur les gnomes. Ah ouais, donc je suis une légende. Mais des fois, il vaut mieux pas trop en dire quand on connaît pas. Vous apportez de l'eau à son moulin ou... Non, j'ai déjà l'eau, j'ai déjà pris. Ah, excusez-moi, je l'écoutais pas. Il a dit quoi? Oui, on est arrivé ici par magie, en passant, en touchant un truc qui brille. Et c'est exact. Il a touché cet artefact, a disparu et pour pas le laisser, on l'a accompagné. Et quelle voilà. Perte, sinon. Et je vous entends, hein. Vont été. Ça les oreilles. Ouais, mais nous sommes un groupe et on aurait eu des soucis si on revenait moins nombreux. C'est une des versions possibles. C'est la sienne, du moins. C'est la sienne. C'est vrai qu'on pourrait te prendre pour un familier. Ouais. D'accord, donc vous n'avez sûrement aucune idée d'où vous êtes. Dans le désert. Aucune. D'ailleurs, si vous pouviez nous éclaircir. Je veux bien, vous êtes dans le désert éternel. Donc c'est assez surprenant que, oui, en effet, vous êtes arrivé ici. Un nom de continent, vous peut-être, quelque chose comme ça, au cas où. Vous avez une carte sur vous? Moi, non. C'est marchand, peut-être. Sûrement, même. Je pense bien, oui. Oui. On ne va pas se promener dans le désert sans carte, tout de même. Ouais, par contre, ce qui est étonnant, oui. Alors, ce désert est assez grand, donc je ne sais pas de quelle contrée vous venez. La magie que vous avez envoyée avait une portée limitée. Ça pourrait peut-être arriver de vous situer sur les différents pays alentours. Je ne sais pas, on peut toujours essayer, mais nous étions. Et vous venez de quel type de climat? Parce que, archipel.
Archibel. Jungle, c'est pas Archibel. Il te regarde complètement choqué et tout le monde a l'air choqué. On est sur une île donc. Oui, on venait d'une île. Aucune idée d'où on est. Ok. La première étendue d'eau suffisamment grosse pour être traitée de mer ou d'océan est à peu près un mois de voyage de là où on est actuellement. Tu me regardes maintenant, j'existe. Et ouais. Donc l'elfe, il se retourne vers toi. C'était quoi votre artefact? Une grande tour rouge avec un mec dedans. Il t'est apparu récemment dans la ville. Très sympathique d'ailleurs. Et tu vois que les elfes chuchotent entre eux quand tu parles de tour rouge. C'est marrant, il a tout déballé. Écoute, mais c'est pas ma faute. C'est bien, il n'y a plus de secret, comme ça au moins. Ouais, tape sur le table. Tu vois les. Tu vois des elfes, tu vois, ils discutent entre eux, ils se détendent les elfes. Ils semblent se détendre. Mais L'elfe âgé s'incline devant vous trois. Oh, devant moi quand même, c'est moi qui parle. Trois. Que nouveau ces honneurs j'ai éclairci la situation. Je me nomme Gramant. Gramant. Note. Gramant, c'est l'ancien elfe. C'est le nom de l'elfe. C'est un elfe d'allure ancienne. Et je suis ravi de revoir que la tour rouge est à nouveau en fonction. Vous m'avez l'air de bien la connaître, cette tour, parce que nous, j'ai on a eu, par le passé, moi, des membres de mon peuple, l'occasion de rencontrer certains d'entre vous ou de vos émissaires pour résoudre divers types de conflits armés ou juste parfois intellectuels. Je sais que si on vous croise, c'est souvent que vous êtes là pour apporter une solution, plus ou moins à long terme en général, mais que la solution devrait arriver. Donc ça... Déjà, si vous avez soif, moi j'ai de l'eau déjà. Ça peut aider. C'est votre première mission ? Il semblerait, nous a parlé d'une initiation ou quelque chose dans ce sens. D'accord. Donc vous avez juste passé la porte du test. Il semblerait. Oui, apparemment on peut pas le tromper. Hein. On a l'air de connaître son sujet. Oui, mais j'ai eu maintes fois l'occasion d'en croiser. J'en ai même conduit en caravane tout au long du désert. Passé 3 mois avec certains d'entre eux, donc j'ai eu le temps de bien les connaître. En effet. Ben c'est bon à savoir. Donc ça veut dire qu'on va pas rentrer chez nous de suite, quoi. Ça dépend. Il y en a qui rentrent au bout de 2 heures, comme il y en a qui rentrent au bout de 3 mois. Donc. Rentrer comment? Ben en fait, l'entité qui vous a envoyé votre fameux tour rouge, une fois qu'elle estime que votre tâche est accomplie, elle vous rappelle d'elle-même. Ben ça c'est une bonne nouvelle. Une invocation inversée, il semblerait. Enfin une bonne ou une mauvaise. Tout dépend. Les problèmes qu'on va devoir résoudre. Manifestement, le problème a l'air assez simple à trouver après. Sans si vous ne trouvez pas de problème d'ici demain matin, vous en aurez un autre sur les bras. Oui, effectivement. Parce qu'elle se trouve la jeune sœur, justement, actuellement. Il pointe du doigt une jeune elfe qui est à l'arrière du groupe, qui est prostrée, qui se tient elle est un peu recroquevillée sur elle-même, elle se tient les bras, en se balançant un peu d'avant en arrière. Bah, au moins tout le monde est sur place. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Ouais. Maintenant. Parce que si j'ai bien compris, vous autres elfes du désert, vous pouvez survivre à la tempête qui arrive. Ah oui, sans problème. Et dans l'hypothèse que vous ayez un conflit avec les marchands, nous on mourrait avec, c'est ça? Parce que dans la phrase que vous avez dit juste avant, c'était si jamais on ne trouve pas la solution à ce problème, nous on en aura un avec la tempête. Jusqu'à présent, on n'était pas. Non, je veux dire que le problème à régler pour l'instant, c'est cette dispute. Le programme de demain matin, si la dispute n'est pas réglée, ça va être la tempête. Car l'elfe qui est actuellement prostré au sol, tenu par ses amis, donc qui se nomme Gamette, c'est l'un des plus puissants manipulateurs du sable qu'on ait parmi nous. Et nous n'avons pris que lui avec nous pour juste faire une espèce de geôle autour de nous avec le sable pour nous protéger de la tempête. C'est la sœur. C'est le frère de la frère. Celui qui est plaqué. Par contre, le problème, c'est que n'importe qui d'entre nous est capable de se protéger de ça. Le problème, c'est que là, on demande à quelqu'un d'utiliser ses capacités pour protéger un groupe d'humains. Si on soit et dans nos habitudes. Ah, c'est bon, on est sauf alors. Le problème, c'est qu'il n'en a aucunement envie. Ah, je veux bien le croire, je comprends pas. Par contre, je ne pense pas qu'on puisse résoudre un tel problème dans l'affrontement. Et je pense qu'il serait bon que chaque camp se retrouve dans un coin de l'oasis et qu'on puisse débattre de ça dans le calme. Avec chacun des groupes, vous voulez discuter? Je veux éventuellement, s'ils acceptent, les interroger plus en avant, mais dans le calme. Donc le mieux est de se retirer chacun de son côté. Étant de la tour rouge dans ce désert, vous avez l'autorité pour... Car vous êtes reconnu ici. Même en tant que débutant, il faudrait peut-être le dire aux marchands,
Est-ce qu'il nous entend d'ailleurs quand on dit ça? Non, 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 là, là, il, non, pas, là il vous a pris à part. Mais dans ces cas-là, écoutez, on va le ramener dans nos tentes. On va l'attacher pour être sûr qu'il ne fasse pas de bêtises. Et libre à vous, vous avez la soirée pour essayer de trouver une solution. Demain matin, vers la fin de matinée, de toute façon, il faudra qu'il y ait une solution de dénoncer. Peut-être pour commencer, pourriez-vous nous donner votre version des faits? Ça pourrait déjà être un point de départ. Laissez-moi juste les renvoyer dans leur camp, expliquer aussi la situation aux marchands et à Hormis. C'est son nom, Hormis? Hormis, c'est le chef de la caravane. Ah, je crois que c'est pas celui qui est accusé. Non, l'humain qui a parlé avec nous au début. Oui, c'est Hormis. C'est Hormis. Celui qui essaie de faire un peu le tampon. Je vois avec Hormis qui renvoie les marchands et les voyageurs dans leur camp. Pouvez-vous leur laisser au moins l'accès à l'eau Oh, mais bien sûr, ça, il n'y a pas de problème. Sinon, non, que tout le monde est bien traité, après... Merci. Donc, il va voir, il discute avec Hormis. Hormis fait signe de oui de la tête. Et discute avec une... Avec... Vous sentez que le ton monte entre les humains. Et finalement, les marchands se rabattent, les voyageurs aussi, et retournent dans leur camp. Hormis se dirige vers vous. Par contre, donc, on m'a expliqué que vous êtes de la Tour Rouge, donc ça rassure un petit peu. Par contre, vraiment, ces marchands sont vitaux au fonctionnement du désert et des villes qui s'y trouvent. Toutes les villes, c'est Hormis ce que vous expliqua, sont protégées par ce système de marchandage que nous faisons traverser. Ces marchands-là sont le cœur de ce système. Si eux disparaissent, il faut condamner des centaines de villages et de hameaux. Mais il y a eu viol. Nous prenons compte effectivement de votre avertissement, mais je suis d'accord, la loi est la loi. C'est grave. Et comment l'elfe au sol pouvait menacer un des marchands en particulier? Comment il avait été identifié, ce marchand qui Parce que lorsque tous les groupes ont été entendus dans la ville où ça s'est produit. Ah, ça n'a pas eu lieu ici? Non, ça n'a pas eu lieu ici. D'accord, okay. Non, ça a eu lieu il y a apparemment quelques jours. Ah, ok. Le problème, c'est que dans la ville où ça a eu lieu, des témoins ont dit et ont aperçu des marchands. Précisément des marchands, partir avec une fille en train d'un peu de force. Et ils sont partis rapidement. Et la seule caravane de marchands à être partie ce soir-là a été celle-ci. Oui, mais il menaçait un des marchands en particulier parce qu'il voulait sa tête. Parce qu'il est sûr que c'est celui-ci. Et donc. Parce qu'il l'a entendu s'en vanter. Ah, il l'a entendu s'en vanter. Ça fait beaucoup quand même, non? Ben, il pensait pas tomber sur la caravane de marchands. Qui était la cause de l'état de sa sœur. Et quand il l'a su, ben on l'a complètement perdu là. A raison, je pense. Oui. D'un cas à moi, il serait aussi exécuté, je suis d'accord. Mais... Sans preuve? Oui. D'ailleurs, quel est la... Ce n'est qu'un humain, ça se reproduit vite. C'est l'humain celui qui nous parle. Non, là par contre, là c'est le chef de la caravane. Le oui. Ouais. Là par contre, c'est le chef de la caravane elf qui vous a répondu sur le oui, qui a coupé Hormis. Ah, d'accord, okay. Oui, parce que pour moi, j'étais putain. Oui. Ils sont deux dans ma tête à ce moment-là. C'est la difficulté de ne pas avoir deux MJ en fait. Vous mettez des accents, ça marche très bien. Moi je joue contre Ego. Passer d'un accent à l'autre, c'est une horreur. Si ça fait prouver, quelle est la peine encourue pour ce genre de crime? La mort. Dans le désert, ben, le coupable est remis à la famille de la victime qui en fait ce qu'elle veut. Alors peut-être pas la mort, pire. La mort est toujours au bout du chemin par contre. Mais longtemps après. Et ce marchand, il a quelle importance dans le réseau des marchands Ben, il est monté récemment à sa tête. Il a hérité du titre de chef du chef de la collection de marchands du désert. C'est le souci. De mon point de vue, un marchand qui tombe, je suis certain qu'il y en a un autre qui va prendre sa place, mais très très vite. Ah, je pense que en plus son prédécesseur nous en sera grandement reconnaissant. Tu vois que Hormis se gratte la barbe. On n'est pas bien placé des fois pour demander ce poste. Ah non, 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 moi je ne fais qu'office de passeur. De village en village. C'est dommage, vous m'avez l'air d'être quelqu'un de bien plus raisonnable que ce marchand. Parler aux marchands là-haut. Parce que je ne m'intéresse pas au marchandage et arnaquer les gens.
Ah, c'est obligatoirement de l'arnaque puisqu'ils sont si vétales que ça. Pas pour moi, les marchands, c'est ça. C'est un marchand. Ah bah forcément, ils profitent de leur situation. Hormis, ça a l'air apparemment très têtu sur sa façon de penser par rapport aux marchands. Quel type de marchandises produit-il ? Ça va être principalement des vivres, de la nourriture, des légumes qu'on peut pas forcément trouver un peu partout dans les airs. Ça vient souvent des villages limitrophes à la partie des D'accord, Arctiques. On est plus sur de l'alimentaire. L'alimentaire. Il y a aussi de la survie parce que les nuits sont fraîches, très fraîches. Ça va aussi contre certaines essences qu'on utilise pour éloigner les créatures des sables. Est-ce qu'il y a des créatures des sables ? Ah oui. Genre grandes comme moi ou Les bébés, oui. Ça va. Ah. Je pense que. Mais j'ai de l'eau. Ouais, ça a l'air poussera sûrement. Après, en effet, votre ami raisonne bien, ces créatures-là n'aiment pas l'eau. Mais demande-moi, c'était une question. Bon, on va te retrouver au milieu de l'oasis, toi. Tu vas Elles préfèrent des liquides contenant plus de fer. Ouais, je vois. Plus d'hémoglobine. Plus nourrissant. L'eau, elles aiment pas en général. Ouais, l'eau, c'est pour ça qu'autour des oasis, c'est une zone qui est plutôt tranquille en général. Vu qu'on a une source d'eau, elles osent pas s'approcher. C'est une des raisons pour lesquelles nous, les elfes, nous sommes ici, de toute façon. On va peut-être laisser s'installer. Comme ça, on va faire baisser la température, le temps que tout le monde fasse le camp, tout ça. Je pense que nous, il faut qu'on ait un camp à part. Pas non, d'un côté ou de l'autre. Ouais, tu veux... Ouais. Ah bah, ouais. D'accord. Ouais, c'est une bonne Est-ce idée. Que... Non, je suppose, hormis ce regard, je suppose que vous n'avez pas de matériel. Bah, alors écoutez, ça tombe très bien que vous dites ça. Moi j'ai de l'eau. Il doit me rester une tente ou quelque chose comme ça en réserve. Tu vois qu'il va fouiller dans ses affaires. Dans un grand chariot. Il te ramène justement le. Bon, vous dormez dehors apparemment, je suis désolé de vous le dire. Mais... Non, mais c'est une grande tente. Ah. Pas besoin de beaucoup de grand. Par contre, je suis désolé, j'ai que ça. Il va falloir vous dormir ensemble ou vous serrer un petit peu, mais. C'est pas grave. J'ai plus de yourte en réserve. Vous savez monter les tentes, les gars. J'ai l'habitude de dormir dans la nature. Donc bah là, la nature, elle est un peu pauvre aussi. À gauche du sable, à droite du sable, devant une tempête de sable. Et derrière, du sable, toujours. Oh, ça va, s'il y a un oasis, il y a au moins deux arbres. Je pense qu'il y a des arbustes, après. J'ai dit. Non, pas les grands palmiers. Non. Donc des arbres. Non, voilà, c'est les beaux grands palmiers avec les noix de coco et le hamac, tu l'oublies. Oh, c'est pourri le coin, c'est pas touristique. J'avais pas compris ça. C'est pour ça que le commerce se porte bien. Je pense que ça joue beaucoup en fait. C'est pas bon. On va faire ce qu'on peut. Hein. Ah ouais. Vous pouvez juste nous donner un petit coup de main pour nous aider à monter à la tente parce que je suis pas sûr qu'on y arrive bien. Hormis reste avec vous le temps de vous aider à la monter. Les elfes ont fini de dresser leur campement. Et les humains de l'autre côté. Hormis s'excuse auprès de vous et dit qu'il doit laisser occuper maintenant du groupe de voyageurs. Ok. Attends qu'ils soient partis. Il y en a parmi vous qui peuvent soigner un petit peu les gens ou pas ? Oui, j'ai quelques bandages. Après, oui, je... Peut-être voir si elle n'a pas des lésions, peut-être. Tout à fait. Mal passé. Ouais, si ça monte à quelques jours, les blessures superficielles physiques, je pense, auraient été résolues, je pense, plutôt. Ah, mais ils connaissent en médecine, finalement. J'ai un peu d'expérience comme ça, mais en quelques jours... Enfin, elle est toujours en train de se secouer d'avant en arrière, peut-être qu'il... C'est plus moi je peux la secouer un peu si vous voulez, mais. Non merci, ça ira. Quoique, un traitement pour l'électrochoc c'est très avant-courant. Hein. Très innovant, avant-gardiste. Après, un truc qui explose et qui font des éclairs, t'as pas un petit truc d'alchimiste, une petite potion de vérité? Alors, ça tombe très très bien. J'ai je suis sûr d'avoir apporté ça Vas-y. C'est comment on a fait sur un D6? Ouais. Ah, mais oui, c'est vrai. Oui. C'était quoi le... je m'en fous. On avait dit comment, je sais même plus. C'est le sac qui... C'était genre, tu sais, 2, 3, y'a rien, enfin ça n'a rien à voir, et 4, 5, 6... Je crois que c'est 5, 6, tu as un truc, le truc qu'il faut pour. Ça marche. 1. Alors, je suis sûr que j'ai ça dans mon sac, qu'est-ce que je tire? Des merdeaux. Il vous sort un liquide violet. Déjà c'est un liquide, ça peut correspondre à un truc de vérité. Voilà. Ouais, mais des fois ça peut nettoyer les chiottes et pas forcément se voir. Non, attends. Non, je vous dis, voilà. Ça va nous aider à faire dire la vérité. Oh mon dieu. Et il en est persuadé. À faire dire la vérité ? Bah c'était ça que tu voulais, non ? Eh ben écoute, goûte-le, on va voir. On va te faire parler.
Bah non, j'ai que ça, c'était qu'on l'a testé sur moi. Non, on va le faire goûter au marchand. Il n'y a pas qu'une gorgée, mais... Arrête, si on tue un marchand... Alors, ce sera justice. Non mais, a priori, si vous voulez qu'on utilise la potion de vérité, c'est plutôt sur le marchand, effectivement, qu'il faut le voir. Je suis sûr que la fille, déjà, pas trop parlé, là, après, mais... Après, j'ai un autre élixir, hein, ça s'appelle de l'alcool, hein, on le fait piter jusqu'à fond, et après, il parlera. Tu as ça, toi? De toute façon, on va bien en trouver, même si j'en ai pas, mais... Ouais, je vous rappelle qu'on était partis un peu comme ça. Hein. Bon, moi, heureusement, j'avais amené de quoi faire parler les gens, ça tombe bien. Non, c'est pas faux, j'ai pas d'alcool sur moi. Faudrait. Donc, mais moi, j'ai de l'eau, au pire. On y pense la prochaine fois. Vous avez picolé avec de l'eau? Est-ce que ça peut un coma se faire... Attends, hein, c'est possible. Le coma hydraulique, fallait y penser. Bah, l'eau, ça peut se faire mutiler, hein. Oui, peine de pure après. Tu vas quand même pas cramer les deux arbustes qui se trouvent dans l'oasis. Il y en a que ça va pas plaire. Hein. Ouais, déjà. Donc on va la voir cette jeune femelle blessée. Et si on la faisait plutôt venir chez nous? Moi je suis pas sûr qu'ils amèneraient quelqu'un qui est dans cet état-là ailleurs. Non, c'est vrai qu'il vaudrait mieux les faire venir, mais si on fait venir un ou deux elfes qui l'accompagnent. Parce que si on va chez eux, les marchands vont sûrement penser qu'on se met en connivence. Non, mais avec on a dit qu'on allait voir les deux camps dans tous les cas, donc ils doivent s'attendre à ce qu'on aille voir les deux. Oui, mais par contre, je préférerais la voir sans être accompagné. Pour ne pas influencer ses paroles. Surtout si on doit le sculpter. Ouais, je suis pas sûr que trois mâles sur une jeune fille qui vient de se faire violer. C'est bien pour ça, je suis d'accord avec toi. Donc si tu dis, amenez-la dans notre tente et barrez-vous. Ouais. Ah, sinon, on reste à l'extérieur de la tente et on demande juste à ce qu'il soit suffisamment loin pour pas entendre notre discussion, mais qu'il puisse nous voir quand même, constater que l'on ne fait rien. Je suis pas sûr qu'ils vont apprécier de nous voir ausculter. Alors, je j'en connais un qui était à l'intérieur de sa tente. Pas sûr. C'était pas joli. Que l'auscultation soit utile. Alors, moi, je m'y connais pas en soins, mais en général, pour soigner quelque chose, vaut mieux savoir si où c'est. Oui, c'est un problème. Mais des traces physiques comme des bleus ou des griffures, ce genre de choses, se résorbent en quelques jours. Et des trucs à l'intérieur du corps? Oui, mais moi, j'irai pas fouiller parce que je suis pas je sûr. Je te rappelle que tu parles à un gnome qui n'a aucune idée de à quoi sert les attributs sexuels. Oui, mais je ne connais pas. Et en plus, je sais pas de quoi vous parlez. Enfin, si, tu sais de quoi il parle, mais pour toi, ça te paraît innocent. Je sais de quoi vous parlez, mais moi, je suis innocent. Ouais, non, mais ça, ce ne sont pas des choses qui se font d'aller. Enfin, pour l'instant, j'ai l'impression que le sœur doit un petit peu de pudeur pour elle, hein, je vous rappelle. Entre lui qui voulait l'avoir tout seul en virant les gars et l'amener dans sa tente, je suis désolé, mais à la limite, c'est peut-être moi qui la respecte un peu plus, cette jeune femelle. Tu veux lui faire une fouille au corps et. Non, une auscultation, j'ai pas dit une fouille au corps. Ouais. Enfin, à un moment, elle va se retrouver à poil, oui, ça c'est sûr. Mais... Alors, j'ai donné mon avis, je ne suis pas forcément pour l'auscultation. Non, honnêtement, non, ce serait mal vu quand même. Non, bah, je vais l'occuper tout seul alors. Et le gnome s'en va. Voilà. Ouais. Si tu lui fais poète de camion, je suis pas sûr qu'il apprécie. C'est quoi un camion? C'est pas faux. Tu vois 36 tonnes qui t'arrivent sur la gueule? Non. À part le toit de la... À part le toit de la fabrique, mais bon. Trois fois ce mois-ci. Donc bah, on va le suivre vite fait pour être sûr qu'il fasse pas de conneries. Donc vous arrivez au campement des elfes. Hein ouais, je suis d'accord. Okay. 4 yourtes couleur sable. Donc le. Ah, de la même couleur que le. D'accord. Comme vous voulez. Le doyen des elfes vous accueille. Donc il vous dit vous commencez donc par venir poser des questions ici? Il semblerait. Vous voulez rencontrer Gamet, c'est ça? Alors non, moi j'aurais d'abord aimé voir la jeune fille qui a été maltraitée. Vous voulez. Alors, Lysandra, vous voulez la voir? Lysandra, exactement. Vous savez qu'elle n'est pas en état de parler? J'ai parlé de la voir. Soit. Elle est avec ma femme. Je vous y conviens. Okay. Elle ne parle pas, mais est-ce qu'elle elle vous entend? Est-ce qu'elle réagit? Elle semblait pas du tout communiquer d'après ce que j'ai pu voir. Elle était un peu dans un état Elle est prostrée dans cette position depuis 2 jours. Elle se nourrit à peine. Elle dort à peine. Oui, elle est en état de choc. Bien, venez avec vous si vous le souhaitez, parce que j'aurai quelques questions à vous poser à vous si jamais elle ne peut pas nous répondre. Mais de toute façon, dans ce genre de caravane, vous avez toujours un guérisseur avec vous en cas de problème. Alors, nous n'avions pas prévu d'avoir ce genre de problème. Donc, quel problème de santé, je veux dire, qui est le guérisseur parmi santé, vous? Santé, mais elle n'a plus aucun problème physiologique.
ce qui s'est passé, évidemment, pour une jeune personne qui est vierge, c'est forcément particulier. Mais par contre, je suis désolé. Elle était donc vierge. Oui. Quel âge a-t-elle? Elle a à peine 56 ans. Très jeune, effectivement. N'est-ce pas? On est d'accord. Par contre, psychologiquement, on n'a rien pour capacité de soigner actuellement. Je vais m'approcher, j'ai peut-être ça dans ma besace. Je vais peut-être pouvoir trouver une solution. L'instant D? Non, pour l'instant, je veux voir la fille. Donc, bah, écoutez, venez. Donc, il vous ouvre le devant de la devanture d'une des yurts. Vous rentrez. Donc, vous voyez, en effet, donc Isantra qui est prostrée quelque part, en train de faire des va-et-vient en arrière. À côté d'elle, vous avez une elfe un peu plus âgée, en train de broder quelque chose sur un tissu blanc. Ok. Donc, Gramont s'approche d'elle. Brana, voici nos invités. Donc, ces trois messieurs viennent de la Tour Rouge et sont là pour essayer de résoudre le petit conflit qui anime le groupe en ce moment. Elle vous regarde, vous jauge chacun votre tour, toi plus rapidement que les autres. Et moi, c'est de surface. Oui, voilà. J'allais dire, moi, c'est de surface. Puis retourne à son œuvre, à son ouvrage. Ok. Donc voilà, ben écoutez, si vous êtes capable de le faire sortir de cet état-là, je vous en prie, allez-y. Moi, je m'approche de la jeune fille à pas feutrer, tout doucement. Je me mets en son champ de vision, je regarde si elle m'observe, si elle me remarque. Non, rien. Comme ça. Ok. Je m'approche tout doucement et du bout du doigt, je touche l'épaule ou une partie de peau où elle peut sentir un contact, la joue, le... Elle tressaille, ouais. Elle fait un bond et elle se remet en, dans position fœtale plus loin. Ok. Est-ce que je vois des bleus sur la surface du corps? Quelques marques de bleu apparent. Ouais, donc c'était physique, quoi, ce qui s'est passé. Oui. Ok. Donc, Gramont vous regarde. Voilà après comment elle réagit dès qu'un homme la touche depuis ces deux derniers jours. Je vais sortir de la tente. Parmi les animaux qu'on trouve dans l'oasis, est-ce qu'il y aurait des petits rongeurs? Il n'y a pas d'animaux. Il n'y a rien. Il n'y a aucun animal. Même pas un serpent, des scorpions, il n'y a rien. Ah toi, tu ne les vois pas. S'ils sont là, ils sont bien cachés. Peut-être qu'il fait trop chaud pour les bestioles. Peut-être qu'ils sont la nuit aussi. Tu te manges Ah zut alors. Enfin, moi j'ai chaud, donc je suppose que les autres bestioles aussi doivent avoir chaud. Donc. Toi, t'es pas bien d'ailleurs. Tant que c'est supportable. Attends là, il fait mieux tant qu'il dort. Ouais. Je ferai sûrement un crochet par l'oasis pour me rafraîchir. J'ai de l'eau, si tu veux. Merci, mais j'ai très peu confiance au reste de liquide qu'il y avait dans les fioles avant que tu les rencontres. C'est toi qui verras. Je voudrais éviter d'avaler une grande boule d'acide. Demain après la tempête, quand il n'y aura pas autre chose, on se recroisera, on en reparlera. Ouais, dans ce moment-là, on verra. Mais non, je pense que j'aurai la topu, moi. Bon. Bien, je peux débrouiller. Je souhaite utiliser de la magie. Je voudrais faire une transformation partielle. J'ai une griffe de chat sauvage. Il va se déguiser en satyre, ça va être bon. Je voudrais. Des cornes de bouc, des pattes arquées. Ouais, je voudrais transformer, je sais pas, la tête par exemple, en chat sauvage. La tête. Ouais. D'accord. Vas-y. Donc, magie, tu as combien? 6 de magie. Occultisme. C'est du 10. Occultisme, je suis à 4. Donc tu as 10 de base. Est-ce que tu as des sorts de niveau 2 ou 3 en... Alors, c'est de l'autre côté. Failli. Déjà, je suis béni par la magie, donc je ne sais plus trop ce que ça faisait. Ça peut rien avoir avec ça. Et après, c'est un sort de niveau 2, forme partielle totémique. Est-ce que tu as des sorts de niveau 3 ou 4? Non. Non. C'est niveau 2. Donc tu dois faire un 2 minimum. Un 2? Sur un 2d6? Sur un d10. Un d10? Tu dois faire un 2 minimum. Ah, c'est pas une difficulté 15 à atteindre? Non, là c'est une difficulté 12. Là, okay. Là il n'y a pas de situation de stress, il a 3. Aucune raison d'échouer. 3. Donc vous sentez une pression qui est à l'extérieur, vous sortez voir ce qu'il y a, et vous retrouvez nez à nez avec une tête de chat sauvage sur le corps d'un elfe. D'un elfe? D'un elfe. Et là je sors les chaînes et. Je rentre dans la tente et je m'approche de la jeune fille et je ronronne et je me cale la tête contre elle.
Attends, avant tu vas prendre un coup de chaîne. Oh putain. Attends. Ah non, il a pas dit qu'il me mettait un coup, il a dit qu'il sortait la chaîne. Sors la chaîne. Ne surjoue pas ce que j'ai dit. Ah. J'ai vu une bestiole, mais je pensais que tu étais avec nous dans la tente. Hein, non, il est sorti pour faire ça. Ah, sorti pour ça. Oui, je t'ai pas trop expliqué ce que je faisais. Ah non, mais tu fais bien. Moi, je vois un truc comme ça, moi je sors les armes, je suis prêt à tirer quoi. Par contre. Alors, tu as reconnu son corps. Mais j'ai plus la parole. Il a une tête chelou quand même. Je fais bien où maintenant. Ta réaction alors? Mais moi je prends les chaînes et je regarde ce qu'il fait. Si jamais c'est la fameuse créature du désert qui est dangereuse, moi j'attaque, hein, direct. D'accord. Toi? Moi je fais un geste comme ça. Oui. Il a pas des doigts, il a des griffes, faut faire ça. Ah si? Non, j'ai que la tête de chat. Il a que la tête, c'est partiel. C'est que le visage qui a changé. Il y a une tête de chat posée. Il y a un chat qui a bouffé notre compagnon. Je pense. et je fais des ronrons. Voilà, en approchant. Et donc voilà. Tu vois que les deux elfes, la vieille a stoppé son ouvrage et te regarde avec de grands yeux. Et Gramont te regarde. Ah oh. Et tu t'approches en ronronnant. Ouais, je me cale contre elle, je mets. Sur ses jambes, je pose la tête. Il s'approche de la fille! Il s'approche de la fille! Je sens que les crises de tremblement, tant que c'est ta tête qui touche, se calme. Mais dès qu'en fait elle est en contact avec ta peau à toi, ça recommence. Si tu la touches avec ton propre corps, ça marche. Non, juste la tête. Et je ronronne un maximum. D'accord. C'est, les tremblements se calment. Par contre, elle continue de se balancer. Mais les tremblements se calment. Elle ne me caresse pas. Non. Dommage. Le chat. Miaou. Le minou. Donc. D'accord. C'est une solution pour le moins originale. Teste, hein. Enfin, miaou, quoi. Putain, il parle le chat en plus. Non, mais pas. Ah bon. C'est ce que t'avais dit, il teste. Faut m'expliquer longtemps, moi, quand même. Au moins, ça calme les tremblements. Après, sur le long terme, est-ce que ce sera efficace? Ça vous dérange de rester avec elle quelques heures comme ça? Vous pouvez traduire s'il vous plaît? Oh là là. Désolé, première fois que je le vois comme ça, je peux pas vous dire. Ah mais avec vos mains, faites-moi oui ou non. Hein. Vous pouvez rester quelques heures comme ça? Techniquement, je sais pas combien de temps ça dure. Tant que tu ne les actives pas. Ah ouais? Oh c'est pour quand même. Ok, ben bougez pas de là. Alors, un mao c'est oui, deux mao c'est non. Ça fait quoi? Ça fait un long mao ou ça fait plusieurs mao d'affilée ça? Tu vois d'un coup un chat qui fait ça dans notre direction. Est-ce qu'elle stresse la femme ou pas? Je vous laisse ici pour interroger les marchands. Posez une question ouverte, pas fermée. Quel intérêt, genre? Je vais envoyer des verres sans pas répondre par où, pardon. Tu as vu le geste qu'il a fait tout à l'heure? Je sais pas, moi je suis pur. Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, c'est un geste qui dit arrête tes conneries. C'est une version polie. Ok, je vois pas le rapport avec moi, mais ok. Donc, Gramont vous dit allez voir directement Hormis, il pourra vous présenter chacun des marchands et des différents voyageurs présents dans sa caravane. Très bien. Eh bien, on te laisse là et on essaiera de. Vous ne voulez pas voir d'autres personnes du campement? Moi, je voudrais bien voir le frère. On est chez les elfes. Oui, il est dans la tente avec ses amis. Donc, tente d'à côté. Il te montre en face. Je cherche la sonnette. Je suis tout. Non. Donc, pas la teinture. Tu pénètes dedans ou tu attends qu'on vienne t'ouvrir? Bah, j'attends qu'on vienne ouvrir, moi. Okay. Attends, il y a des bestioles à la tête de chat qui débarquent. Moi, je suis pas seul. Moi, j'attends derrière lui. Et puis, si ça dure trop longtemps, par contre... On soit pas serein parce que le serein. Tu écartes et tu regardes. Un chat sauvage. Tu vois effectivement donc Gamet attaché au poteau central de la tente. Deux elfes assis à côté en train de dire non mais t'inquiète pas à cette nue on va les dessouder de toute façon donc. Et je vous entends pas. Hein. Les trois se figent. Dessouder. Très bien. Non c'est un procédé technique. Tu soudes avec un truc chaud en général et après tu veux le défaire tu dessoudes. Avec un truc chaud. Ouais. Mais bon, je fais que des trucs froids, moi. À ce moment-là, il te regarde. L'un des elfes te regarde et. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Excusez du dérangement, nous venions demander à Gamet sa version des faits concernant l'incident. Vous croyez pas qu'il a assez souffert de cette situation? Vous voulez lui rappeler?
Oui, en fait, moi, oui. Moi, je voudrais bien qu'il me raconte l'histoire, effectivement. C'est exactement ce que je veux dire. Mais laisse-moi faire. Il est cash, c'est ça qui est. J'adore. Mais avec une candeur, mais magnifique. Ben, oui, l'un des elfes se lève. Si on ne serait pas déplacé, en fait, tu comprends. L'un des elfes se lève, s'approche de toi. Oui, je le regarde. Commence à te saisir par le col. Okay. Oh, doucement, doucement. Il veut pas. Il te lève. Ben, super. Le, non, il m'a fait pareil, l'autre. Je vais commencer par le col. Non, moi, je t'ai pris par le col. Ah, c'est vrai. Par contre, donc, du coup, si j'ai bien compris, en venant de la Tour Rouge, ça nous permet de poser des questions à qui on veut, non? C'est pas ça qu'il a dit, votre ancêtre? Je vois. Il semble hésiter. Je t'aime bien. Voilà, voilà. Ouvre, voilà. Ouvre les doigts. Ouvre les doigts. Ce sera bien. Vas-y, fais-le. Je te laisse tomber comme une merde. Mais je retombe sur mon papate. Fais-moi un jet d'extérité. Juste pour ça, fais-moi un jet d'extérité. C'est un échec critique, il se casse le Marc, sur le sable, ça va, c'est pas trop dur. Justement, si, il reste ses droits sur ses pieds, c'est plus compliqué. Mais les fesses, c'est bien d'avoir ce genre. D'extérité. Ouais. Pur. T'as combien? Et un des 10 Ouais. Et puis le gnome, c'est dodu. Il y a pas une acrobatie avec Marc. 13. 13? Bon, ça passe large. Tu retombes sur les pieds. Je mets poussette. Par contre, vous êtes grand, je vois pas la personne concernée. Tu peux sortir de mon chemin? Il s'écarte, en grand mêlant un peu. Et il a un regard extrêmement ouvert à l'ogdome. Toi, tu le vois pas parce que le regard vient du dessus. Tu le sens. Toi, par contre, tu le vois. Et tu sens que la main, tu entends la main qu'il avait se desserrer de la dague qu'il avait à la ceinture. On est bien d'accord, moi j'ai rêvé tout ça. Moi je continue ma marche avec Adore. L'autre elfe. Fais le schtroumpf maintenant. C'est quoi le schtroumpf? C'est toi en non, bleu avec un chapeau bleu. Dans Game of Thrones quoi. Le nain, quoi. Il arrive, il se la pète. Tyrion. Oh non. Quoi non, mais en plus tu te la pètes pas quoi. C'est mais ça, non, le problème. Je me la pète pas, je suis ultra pur. Tu t'approches de Gamet. Son empire tomba, il serait marqué. Et pourtant, il était pur. Son ami reste assis à côté, par contre, et l'autre reste à l'entrée à côté de toi. Ok. J'en ai rien à foutre des autres, je m'approche de celui qui est. Il est attaché. Il est attaché au poteau. Moi, je surveille la réaction des elfes par rapport à ce qu'ils racontent. Parce que s'il y en a un qui commence à s'échauffer, on va essayer de calmer la situation, le calmer en deuxième temps. Ok. Bonjour. Gamet, c'est ça? Je m'appelle Lunky. Et donc, je voudrais te poser quelques questions parce que t'as l'air bien remonté quand même et je peux comprendre la situation. Et moi, je serais assez d'avis de punir la personne qui a fait ça à ta sœur. Par contre, j'ai besoin de savoir ce que tu as vu, comment tu peux avoir autant de certitude sur le coupable. Alors, ce que je te propose, si ça te va, je demande à tes copains de te détacher. Si tu me promets que tu restes pour parler avec moi, je suis pas là pour choisir un camp pour l'instant, je vais me faire un propre opinion. Est-ce que tu vas te tenir tranquille? Est-ce que j'ai ta parole que tu vas te tenir tranquille si je demande à tes amis de te libérer? C'est un peu agressif. Alors, au début de ton dialogue, tu es mort trois fois dans son regard. Par contre, tu es mort trois fois dans son regard. Oui, c'est vrai. Par contre, au fur et à mesure que ton dialogue a avancé, il s'est légèrement adouci. Tu vas me faire s'il te plaît un jet de persuasion. Et en plus, je suis dans une position vraiment. Tu sais, je suis comme ça, avec mes genoux dans les bras, en train de lui parler. Il est assis. Mais c'est pour ça que je suis à peu près à sa hauteur. Mais si tu t'assois, du coup. Manipulation, s'il te plaît. Persuasion, t'as dit. Manipulation. Manipulation. Voilà, et persuasion. Ok. Difficulté 12. 14. T'as 12 de base, donc c'était forcément une réussite. Non, oula. Ne nous emballons pas. Donc, il te fait un signe de oui de la tête. Je me retourne vers celui qui m'a porté, je fais. Machin, là, j'ai oublié ton nom, pardon. Tu peux venir détacher ton ami, s'il te plaît? Et tu le surveilles quand même, vous êtes un peu responsable quand même, les gars. Il passe à côté de toi. Je m'appelle H. H. Pas marché, non. Excusez-moi, je n'ai rien dit. Voilà. Il a même pas un nom complet, il a qu'une lettre, le pauvre. Il le détache. Il reste assis à côté au cas où. Ok. Kamet fait jouer un peu ses épaules. Se tire un peu les poignets. Pose tes questions, gnome. Ok. Est-ce que ça te dérange? Tu peux juste t'asseoir pour qu'on soit à peu près à la même hauteur? Je suis déjà assis. Je pensais que tu étais levé pour détendre, après être resté assis aussi longtemps. Ok, donc on est arrivé sur ces entrefaits où on t'a vu par terre et tout ça. Donc on a bien vu ce qui est arrivé à ta sœur. Comment est-ce que tu es sûr que le coupable fait partie de cette caravane? Et comment peux-tu être sûr que c'est la personne que tu as désignée qui est le coupable? Je l'ai entendu. Tu as entendu quoi? Se vanter d'avoir fait sa fête à une petite elfe. Tu sens qu'en disant ça, il se retourne un petit peu. Il fait une pause dans son dialogue avec toi. Respire un bon coup.
Il s'est vanté. Tu es sûr s'il parlait de ta sœur? Si c'est bien ta sœur, si j'ai bien compris. Bien de le faire venir. Oui. À sa sœur pour qu'elle réagisse. Il a décrit dans des termes qu'il ne pouvait pas m'induire en erreur. Est-ce que tu peux être précis sur ces termes sur l'autre? Il a parlé des roulements de son tatouage dans son dos pendant qu'il l'a chevauché. Lorsqu'il a dit ça, tu sens que là, tu entends un petit bloc et tu vois qu'il se serre tellement fort les mains que des gouttes de sang commencent à perler le long de ses poignets. À titre indicatif, il représente quoi ce tatouage? Ce serait important pour confondre la personne qui... Le dragon des sables. Comme toute future prêtresse. C'est une prêtresse en plus. Future prêtresse. Future prêtresse. Bah peu plus, elle est plus bien. Bah je sais pas, tu connais les coutumes des elfes des sables toi? Non, mais je regarde Conan le Barbare et dans... Et j'entends des voix de chat, là, miaou miaou, t'es même pas là, quoi. Non, mais c'est ta conscience qui te parle. Ah non, genre, on est déjà 4, on est complet, mais c'est pas possible. On a passé un Cosmo 4. C'est ça. Ok, très bien. Et cette personne que tu as décrite, elle était seule, à ton avis? Ou est-ce qu'ils étaient plusieurs? Parce qu'elle porte des traces de coups, donc... C'est lui qui s'en occupait, mais ses deux amis la retenaient. Et ça, tu peux t'en as une certitude? Ou quand il en parlait, les deux autres acquiesçaient? Ou comment ça se passait? Comment tu peux être sûr que ces deux amis-là étaient présents? Parce qu'il remémorait les souvenirs de cette soirée avec eux. C'était pas un conte ou quoi que ce soit. C'était de la remémoration et un échange entre eux sur leur expérience commune. Je sens que les mots « expérience commune » lui arrachent la langue lorsqu'il les prononce. Ok. Oui, non, j'ai jamais su ronronner. J'y arrive pas. Toi, on dirait que tu fais un bain de bouche. Très constructif. Donc. Très bien. Moi, je n'ai plus de questions. Est-ce que tu as des questions? Non. Ok. Merci. Voilà ce que je te propose. Comme tu l'as compris de la bouche du vénérable du clan, nous sommes là pour démêler cette situation. On a l'avantage d'être neutre dans cette situation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'approcher des commerçants et tirer nos propres conclusions. Ça ne me dérange pas que tu sois détaché de tes liens. Si tu me garantis, et je tiens sur ta parole, que tu ne feras rien à l'encontre des marchands ou des hypothétiques, pour l'instant fauteurs de troubles, qui est en face, tant que nous n'avons pas fini notre enquête. Non. Je ne peux te le garantir. Dans ce cas, je vais te demander à tes amis qui te rattachent et tu pourras le comprendre. C'est contre ma volonté, mais je pense qu'il faudra faire ça si tu veux éviter un bain de sang à l'échelle de tout l'Oasis. Petit gnome, petit échelle. Il fait un signe à ses amis qui le rattachent également au poteau. Je te lance un vieux regard qui est dénué de toute innocence où tu lis, enfin bien ta gueule. Et je m'entends tout à fait innocent vers maintenant. Ok. Et donc je voulais savoir si tu acceptais le fait que tu allais de coup être rattaché par tes amis pour éviter... Non mais ils sont pas leur rattachés là. Voilà. Merci de cette sympathique conversation. Merci son copain qui n'a qu'une seule lettre dans son... J'ai fait un grand sourire, j'ai fait demi-tour. Bon. Par contre je vous annonce que si au lever du soleil il n'a pas résolu cette histoire, c'est moi qui la résoudrai. En attendant, peut-être, plutôt que de rester cloîtré ici, peut-être pourrais-tu aller auprès de ta sœur pour essayer de... Elle ne supporte pas mon contact. Peut-être que seulement lui parler pourrait l'aider. Ça fait 3 jours que je lui parle. Ah, et au fait, y a-t-il quelqu'un d'autre de la caravane qui a entendu ces propos de la personne que tu accuses? Oui. Carno avec moi, ici. Et H. Je les regarde, les autres, ils valident de la tête. Je regarde s'il n'y avait pas une micro-séance, genre... Oui. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Vigilance, ça aide pas. Perception. Ok. Et mensonge. On a somme ou un truc? Ouais, mensonge, ouais. C'est colonne du milieu. Et perception? J'ai 3. Tu dois faire un 9. 9 ou 10. Ça passe presque.
Pour toi, il monte, les deux. Ah, le 1, c'est un échec critique, du coup. Et tu en es persuadé, il monte. Je regarde avec grandeur, je fais... Non. Dites pas la vérité, les gars. Je me prépare à une connerie, moi. Les deux se regardent. Ah, et puis, attends, et je m'approche bien d'eux. Tu sais, je fixe bien avec des yeux, je suppose que j'ai des petites lunettes en plus. Ouais, t'es au niveau du... Ouais. Et Ash te regarde violemment avec tout le dédain dont il est capable dans l'état actuel des choses. Dehors, Nabo. Ça fait pas avancer ta cause. Je pense que la vérité c'est quand même plus importante dans ce cas précis. Sors d'ici. Est-ce que moi ils m'ont donné l'impression de mentir ou pas? Tu te fies à son jugement. À quel jugement? Je sais même pas, ok, je sais même pas. Okay. Pourquoi il se fie à mon jugement? Je sais pas. Il était tellement persuadé de ce qu'il a annoncé. Non mais attends, juste. Moi j'ai beaucoup en persuasion quand c'est un fait volontaire de ma part. Mais j'ai une aura de persuasion autour de moi. Non. Il s'est fié à ton jugement quand tu as dit que c'était un mensonge. Okay. Une fois qu'on me croit. Parce qu'à la limite, là, ça fait un petit peu genre t'as la PlayStation, tu vas jouer nos personnages. Mais bon, ok. Ben les gars, vous avez confiance en moi. Ça marche. C'est, en fait, c'est ton échec critique qui l'affecte aussi. Ok. Ces échecs critiques ont de grandes conséquences. Ouais. Petit chiffre. Grandes conséquences. C'est un petit chiffre pour le gnome. C'est un grand pas vers la paix des peuples. Et je sors avec panache. Enfin, non, avec candeur. C'est qui candeur? Je surveille les deux. Je surveille que les deux ne fassent pas de mauvais gestes ou de. Ok. Alors moi, non. Et je sors derrière lui. Vous sortez. Vous avez au milieu des tantes Gramant qui vous accueillent. Alors, ça s'est passé comment? Le frère est bien remonté. C'est normal. Je peux se comprendre. Mais je pense qu'ils me disent pas toute la vérité. Comment ça? Je demandais s'il y avait d'autres témoins de ce qui s'était passé. Gamet a montré ses deux amis. Voilà. Mais j'ai pas senti la véracité. La véracité de leurs propos. Ils ont dit qu'ils étaient témoins aussi. Curieux. C'est dans le concept de mensonge est répandu dans le peuple des sables. C'est vraiment une question ouverte. Je ne vous connaissais pas avant d'arriver ici. Pas plus dans notre peuple. Hein. D'accord. Okay. Bah c'est étonnant. Par contre, le début du propos s'était bien passé. Hein. J'avais fait en sorte de qu'il se relâche un petit peu. Écoutez, allez voir Hormis. Moi, je vais essayer de démêler le vrai du faux avec eux et voir si moi ils souriront un peu plus qu'à vous. Hein. Ouais. Bah disons que s'il faut apporter toute la clarté, il faut que j'aie évidemment toutes les infos. Toi, la situation n'a pas évolué. De toute façon, au bout d'un moment, elle va s'endormir quand même. Effectivement. Okay. Étrangement, le fait que tu sois à côté d'elle l'apaise dans ce sens-là, elle lui permet de se relâcher un petit peu, et c'est le sommeil qui la gagne. Il y aura toujours quelqu'un pour la surveiller? Oh oui, il y a la deuxième qui reste avec elle. Bon. Bah, la femme de Gramant qui est avec elle. Si elle s'est endormie, dans ce cas-là, je mets la couverture sur elle, et effectivement, je reprends ma forme humaine. D'accord, tu fais une mousse enfin, elfique. Ouais, tu prends ta... Attache-toi avant de... Ah putain, c'était lui. Donc tu reprends ta forme humaine. La doyenne te regarde. Efficace. Mais nous ne serons pas capables d'user de tels artifices. Vraiment. Écoutez, ben, rejoignez vos amis, je m'en occupe, vous inquiétez pas. Merci. Je m'approche discrètement de la doyenne, moi. Non mais t'es allé dedans, toi t'es dehors. On les a pas rejoints? Non. Avec qui on a parlé avec le doyen dehors? Ah ok. Donc tu sors de la tente, donc tu les trouves en train de discuter avec Gramant qui leur dit d'aller voir Hormis. Très bien, je prends la direction des torches qui sont allumées par là-bas. C'est ça, parce que effectivement le soir commence à tomber. Et le frais aussi également. Je te sens mieux. Putain ça. Pour info, a priori, si on n'a pas démêlé ça d'ici le lever du jour, les autres elfes ils vont foutre à sang la carbone. En gros, on va pas dormir cette nuit, quoi. Ouais, c'est pourquoi fort possible. Parce que d'expérience, avis, faire des allers-retours diplomates pendant la nuit, ça bouffe toute la nuit. Ok. Donc, allons voir. Hormis. Pour avoir déjà une version de ce fait. Peut-être que lui a entendu déjà ses propos. Hormis vous accueille. Il vous voit arriver, il vous fait le grand signe avec les mains. Ah, quelque chose. Le sous de vol MJ. J'adore.
Non, non, je donne à bouffer, c'est tout. C'est ça. Bon, on vous accueille. J'explique un peu. Tous les membres de la caravane ne sont pas des marchands. Dans les trois qui en font partie. Les autres sont juste des voyageurs que j'ai pris en cours de route. Ouais. Au départ de la ville, on avait que ces trois-là. Hein? Donc à vous de voir si vous voulez interroger tout le monde ou juste les marchands. Je pense déjà commencer avec vous et puis les marchands devraient suffire. Je doute, oui, allez-y. Tu sais quand est-ce que il a entendu parler de cette discussion? Vous êtes arrivé quand, Loïs? En début de journée. En début de journée, je pense. Ouais. Donc les autres étaient là aussi. Il pourrait être intéressant de les voir rapidement pour demander s'ils ont aussi été témoins de cette discussion. Mais... Hormis, vous aviez fait partie de l'étape justement dans cette ville. J'étais au départ de cette ville. C'était moi qui faisais, c'est moi qui fais la caravane, le départ de l'étape pour traverser du désert. Alors, vous n'étiez peut-être pas avec eux avant. Voilà, vous les avez récupérés au petit matin ou juste avant la soirée. On devait partir au petit matin, ils sont venus. On payait plus cher pour faire un départ de nuit. Ah. Moi j'étais prêt, je dormais à l'écurie donc. Ils ont fait un départ précipité. Oui. Comme s'il fuyait quelque chose. Après ça, pour les tailles, faut voir. Parce que sûr que c'est une réplique de film. Non, c'est Camelot, c'est Yvan Le Bolloc quand il veut mettre son estampille sur la table ronde. Après moi, pour les détails. C'est une parenthèse. Ok. Et vous-même, vous les avez entendus un petit peu parler d'une soirée Ah, ils parlent souvent de leur conquête, des différentes femmes qu'ils ont pu... qu'ils ont pu partager leur couche. Il y a un truc très récent, genre hier. Hier, vous étiez avec moi dans le désert, on n'a pas croisé beaucoup de femmes. Hein. Bon, à part, la dernière fois, oui, au début de votre mission. De votre avis. Il semblait satisfait d'un coup d'un soir, apparemment. De votre avis, comment ça se fait-il qu'une jeune femme elfe nomade soit en ville à ce moment-là? C'est pas bon. Ils viennent en ville pour revendre des articles qu'ils ont récupérés dans le désert. En général, trouver une elfe seule... Ah, mais ils sont pas seuls, ils sont souvent en groupe. Donc comment se fait-il qu'il ait réussi à l'attraper comme ça Ah, je ne sais pas. Comme ça, il faudrait leur demander les détails. Une question à noter, effectivement. Effectivement, pour une jeune elfe, se trouver seule dans une ville comme ça, c'est risqué. C'est étonnant d'ailleurs qu'elle était seule à ce moment-là. C'est vrai, peut-être que son frère et ses camarades soient partis s'amuser. Ah oui, il s'est passé quelque chose, forcément. Peut-être que c'est parce qu'ils se sentent aussi coupables et qu'ils sont aussi remontés. Je sais que les jeunes elfes sont friands, sont très friands d'alcool. Qui ne l'est pas? Moi. Non, je veux dire que c'est comme une drogue pour eux. Ah, ouais. Ils n'ont pas l'occasion d'en boire, hormis dans les villes. Et ça. C'est comme attirer des abeilles avec du miel. Ouais, je comprends. Oui, enfin, hypothétiquement, j'aurais une petite sœur qui se met cartable à l'auberge du coin, c'est pas dit que je me barre. Moi. Ah non! Les femmes. C'est étonnant, mais les femmes elfes des sables sont immunisées à cette envie, c'est irréprochable. Cette envie de boire de l'alcool, elles sont immunisées. Triste pour la reproduction des elfes. Il se gratte la tête, il rougit un peu à ce que tu viens de dire. Et saviez-vous qu'elle était destinée à être prêtresse, cette jeune elfe? Il écarquille les yeux. Vous êtes sérieux dans vos dires? C'est ce que les elfes nous ont signalé. Enfin, c'est ce que mes collègues ont récupéré comme information. Est-ce qu'on a une quelconque idée de ce que ça signifie ou c'est prêtresse ce terme? Non. Pourquoi vous faites ces gros yeux? Parce que je fais les gros yeux aussi, du coup, mais je sais pas pourquoi. Les prêtresses sont celles qui sont destinées à diriger, en fait, les elfes du désert. Et elles doivent être pures pour ça? Normalement, oui. Ah, mais carrément. Au moins pour leur cérémonie d'intronisation. Et une fois, évidemment, cette cérémonie passée, après, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Mais elles dirigent tous les elfes du désert. À savoir quelle oasis il faut protéger, quelle oasis on peut laisser dépérir parce qu'il y a beaucoup de passages.
Ou est-ce qu'il faut essayer d'en créer une nouvelle? C'est son rôle. Donc, ce serait un rôle un peu équivalent à ceux des marchands dont la vie des villages dépend. Sauf que sans eux, la vie dans le désert devient impossible pour tous ceux qui ne sont pas des elfes. Donc nous avons de force une importance plus ou moins équivalente qui sont en jeu ici. Je comprends bien. Le crime n'est peut-être pas si simple que ça, en fait. Les elfes, à eux seuls, sont capables de pourvoir aux besoins des humains. L'inverse, ils s'en contrefichent. C'est bien cela. Donc dans la balance, ils ont beaucoup plus de poids. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Et ces marchands refuseront l'entendre, je pense. Ils n'ont pas besoin d'être d'accord avec cela. J'ai rarement vu un condamné être d'accord avec le jugement. Je sais pas, tu me fais les gros yeux, je te fais les gros yeux aussi. Non, je pense que tu... Oui, non, mais c'est parce que je j'ai pas tout suivi dans la conversation, c'est pour ça. Un rapide résumé. Non, non, vas-y. Ouais. Et donc, que pensez-vous de cette situation? Alors, 30 secondes. Parce que j'ai failli dire une connerie. Je pense pas qu'elle est bonne. Je me suis dit, je vais pas la faire à chaque fois, mais. Quand les joueurs, tu vas la faire à la place. Rien, écoute. Je peux rien lire. Si, je suis des points d'XP, mais bon, c'est pas. Ok. Gratte. Allez, gratte un petit peu, gratte un petit peu. Oh, c'est... Si, c'est vrai. Ouais. Effectivement, pour moi, le marchand a commis un crime. Tout à fait d'accord. Ce marchand, Féro, c'est son nom. Oui. Devant toi. Ça veut rien dire, ça dépend des hauteurs. À hauteur d'humain. Féro a commis un crime grave. Et j'ai peur que ce crime entache définitivement les relations entre humains et elfes. En tout cas, entre les marchands et les elfes dans le désert. Serait-il possible. Il y a eu d'autres femelles elfes en ville, mis à part la victime. Les elfes sont courants dans les villes quand même, mis à part les elfes nomades. Généralement, ils envoient un groupe d'hommes, 4-5, pas plus, pour porter des objets, récupérer des hommes de mâle, tu veux dire. Oui. Qui restent des elfes. Des mâles, ouais. Des elfes mâles, 4-5. Ils s'enivrent une nuit en ville, ramènent un peu d'alcool avec eux et 2-3 choses qu'ils achètent en ville en échange de restes de caravanes qu'ils ont récupérées dans le désert ou des choses comme ça, qu'ils ont réussi à remonter. Ils ramènent des provisions ou des choses comme ça et c'est du troc. C'est extrêmement rare de voir une femme, alors une jeune femme encore plus. Et une prêtresse en devenir. Une future prêtresse. Enfin, c'est censé être caché un peu qui doit devenir prêtresse, c'est censé être un peu caché. Sauf que là, pour qu'on vous l'annonce comme ça, c'est que. Elle ne veut plus prétendre à ce rôle-là. Et comment se passe habituellement la justice dans le désert? Lorsqu'un crime est commis au sein d'une caravane, par exemple. Je crois qu'on remet le coupable à la famille concernée, elle en fait ce qu'elle veut. C'était bien le résumé. En général, c'est ça. Et il n'y a pas de plainte après de retour en ville en disant il y a eu des abus, il n'y avait pas de. Non, nous sommes contre œil pour œil, dent pour dent ici. Donc je ne vois pas spécialement où est le problème, effectivement. Je ne vois pas où est le problème. Non, je ne dis pas ça, pardon. Du coup, la justice... Le problème étant que les témoins sont amis. T'as pas de couilles. Bah non. J'ai toujours dit qu'il n'y en avait pas. Dernier gène prouvé. J'ai encore en travers de la gorge. Le jugement du paladin. T'as quoi les couilles? T'as encore les couilles en travers de la gorge? Les siennes, ouais. Les siennes. J'ai toujours pas rendu. Ah, je crois que c'est par rapport à moi, je dis putain, qu'est-ce que j'ai fait moi encore. Non. Si, moi je pensais que c'était par rapport à toi, je vois pas pourquoi je tombe dans le débat. Non, non, un jugement. Ouais, un jugement. Voilà, je peux balader, c'est bon, je peux jouer. Ouais. Ça peut aller plus loin que prévu en fait, c'est peut-être un complot politique. Après on part ensemble. Le pire. Si on fout la merde, on s'en bat les couilles, on se barre après. On se barre après ou on se barre. C'est la tour qui est censée nous rapatrier. Voilà, c'est la tour qui nous rapatrie. Ouais, mais si on a foutu en l'air le truc, elle nous rapatrie. Ouais, hein, on nous laissera en train des. Ouais, pour faire ce qu'on veut. On sera au soin des elfes, ils seront contents. Il y a pas beaucoup de technologie là-bas. Oui, mais enfin, c'est l'expert du transport. Il n'a pas été trouvé encore. Si en plus il n'y a pas d'animaux, mon dieu. Donc, dans un désert en plus pour toi. Le souci, le souci est donc que il n'y a pas de preuve directe, mais donc nous allons continuer à des dires entendus par apparemment 3 personnes, dont
le frère de la victime et de tes amis. Est-ce que ce sont des témoins vraiment fiables ou pas? Moi, j'ai déjà un avis dessus. Nous allons on n'a aucun moyen de forcer la vérité. Si, si. Si, bien sûr. Vous avez... Oui. C'est-à-dire, vous avez quoi? J'ai ce qu'il faut pour faire la vérité. Ce qui n'empêche pas de mener une enquête, vous en convenez. Vous avouerez que si vous avez un moyen rapide d'obtenir la vérité, il vaudrait mieux l'employer dès maintenant. Hors et torture, évidemment. Quelles seront vos intentions si demain matin... C'est la police. Si demain matin, on n'a pas de solution, quelles sont vos intentions? Je vous cache pas qu'ils sont pas extrêmement joyeux. Est-ce que vous allez livrer le marchand et reprendre la route? Est-ce que vous allez le défendre? Je vous cache pas que le village dans lequel vit ma femme et mes enfants dépend du bon vouloir de ces marchands. Vous avez dit qu'il n'était que trois? Ils ne sont que trois. Oui. Après, il y a des témoins. Moi, y compris les voyageurs avec nous. Effectivement, mais vous avez dit vous-même que la sentence pour un viol, c'est la remise à la famille. Et si les trois marchands sont coupables tels que les elfes décrivent, ce ne sera que justice et il n'y a rien ni personne à blâmer. Vous m'apportez une preuve irréfutable, il n'y a pas de problème. Ça se résolva comme ça. Et si c'est pas le cas? Ben là, on va en demander un conflit ouvert. Et je crains que demain matin au réveil soit la loi du plus fort, quoi. Sachant que la tempête arrive en plus. Sachant que si ça finit en test d'endurance, c'est sûr que les elfes ont l'avantage de pouvoir attendre patiemment que le vent se lève. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Et moi, là, aujourd'hui, là, maintenant, ce qui m'inquiète, c'est ma survie évidemment, la survie des voyageurs qui sont sous ma responsabilité. Actuellement, les marchands commencent à plus, ça me prend la tête qu'autre chose. Je vais pas vous mentir. Ça a l'air d'être le genre, oui. Après... Les marchands ont entendu parler de la tour rouge? Oui. Ok. Très bien. Ils connaissent. Je pense que c'est le moment d'aller voir les... Oui, la discussion ne mènera pas plus loin. Est-ce qu'on n'y va pas? Non, c'est important de savoir comment lui... ses motivations. Je sais que tu es là, hein, je fais exprès. Que lui, voir ses motivations et comment il pouvait réagir. C'est toujours bien de savoir dans quoi on met les pieds aussi. Non, je suis tout à fait d'accord, on a pris... Honnêtement, un tour des autres, j'aurais pas misé sur vous pour un cerveau. Il en faut un sur les trois. Hein. Ah si, un cerveau, il y en a un. C'est ce qu'il en fait de son cerveau qui est parfois... Bah écoutez, pour l'instant, je suis surpris. Mais je revois à la hausse l'opinion que j'ai sur les gnomes. Vous êtes le premier que je croise. Ce qui votre race est à votre image. Certes... Je suis le phénix des hôtes de ce désert. Mon Dieu. Lâche ce camembert tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Aux abords, vous n'êtes pas facile à accepter, mais sur le fond, intéressant. Pardon, il y a le modérateur qui me fait ici. Voilà. On avait dit glamour et... Et subtil. Voilà. Déjà que le jeu, il joue à PlayStation et tout ça, ça va quoi. Ça va quoi. Bon, quel sera notre... prochain visité. Ouais, j'y vais. David, faire un tour rapidement des voyageurs histoire de voir s'ils n'ont pas entendu, s'il n'y a pas un... Je suis parti, hein. J'ai vu la tente où il fallait... T'es parti vers où toi? Vers la tente des trois marchands. Donc le gnome est parti sur la tente des marchands. Je le rattrape et je... Putain, on fait tous chier, bordel. Tu tiens par la ceinture? Ouais, non, mais... T'as dit qu'on était les jambes, donc... Il y a un moment où je t'ai laissé faire ces trucs 5 minutes. J'aimerais prendre une décision réfléchie juste là, et après, éventuellement, ça se trouve, on va faire ce que tu veux. Alors, faisons un exemple. Oui, il y a une tour rouge qui est apparue, vite, on va aller espionner. Alors. Non, on va taper à la porte, mon plan était magnifique, il a marché ou pas? Il a marché ou pas, persuasion? Mais ça marche pas toujours. Persuasion en opposition, tous les deux. Ah ouais, ben alors, je suis malade. Manipulation, persuasion, vous additionnez les deux, plus votre GD en opposition. Paf, 5. Oh. 6, pardon. Oh là, c'est tellement mal. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait un 9 sur 10, pardon. Moi, j'ai fait 6 au total. Juste avec le dé, il te surpasse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise gestion. C'est pas faux. Et c'est pas faux. Ce serait bien que tu me poses maintenant, par contre. J'aime pas trop ça. C'est vrai que certaines de tes décisions ont fait avancer les choses de manière positive. Développe, j'ai pas bien compris ton raisonnement. Si ton instinct te dit d'aller voir directement ces marchands, ben allons-y. Vous
Mais tu vois qu'il doit raisonner toi aussi. On apprendra à jamais faire des personnages résistants mentalement. Dans les muscles. Vous avez là. Non, mais effectivement, il a un bon fond. Ça passe bien jusqu'ici, donc continuons. Vous dirigez vers la tente des marchands. Ils sont actuellement dehors, tous les trois, en train de mignoter quelque chose au coin du feu. Ils vous voient arriver. Ah. C'est bien, vous êtes bon Dieu. On peut quelque chose pour vous vous êtes venu vous casser les pieds? Alors, grignoter, je serai pas contre. Vous avez de l'argent? J'ai de l'eau. Nous aussi. Ah. J'ai beaucoup d'elfes qui ont envie de vous tuer. Ce serait peut-être bien qu'on arrive à parler avant. Parlez au coin du feu. Bah, allez-y, on vous écoute. Hein. Je parle on pas bien contre truc, moi. On a... C'est dommage, on vous attend longtemps. Jusqu'à demain matin, je fais demi-tour et je m'en vais. Non, à la base, je voulais pas y aller d'abord. Si son instinct lui a dit que c'était la meilleure décision. T'as pas l'impression qu'on fait un peu les gardes du corps, qu'on le suit partout et. Oui, mais le moment où il faudra se casser. Et Dieu sait que c'était pas gagné quand on est arrivé dans ce putain de désert. Ouais, de toute façon, moi je voulais aller voir les autres voyageurs pour leur demander s'ils n'avaient pas entendu des trucs. Non, mais surtout on va demander pourquoi est-ce qu'il y avait la jeune prêtresse en devenir qui était dans la troupe d'hommes et qui était partie en ville. Ça peut être intéressant. Ah non, moi je vais aller demander aux voyageurs, ça suffit. C'est à côté des voyageurs, les elfes, c'est à l'autre bout du camp. Ouais, c'est long et chiant à faire derrière. Si on fait des zigzags, on n'a pas fini. Hein. Ouais. Vous allez voir les voyageurs alors? Ah ouais, alors sommairement, leur poser 2-3 questions. Est-ce que tu les accompagnes ou est-ce que tu vas chez les elfes? Ce serait moins théâtral si je faisais demi-tour, je me barre vraiment vers les elfes. Donc lui, vous attend. Ok. Sans le temps que vous passez vous poser des questions, vous attendez le rattraper en courant. Mais je vous emmerde déjà. On va pas se mentir. Déjà, je m'embourbe dans ce putain de sable. Non, pas. Mon idée, je sais pas toi, ce serait d'aller les interroger rapidement sans aller dans les détails. Genre demander s'ils ont entendu un truc, ce qu'ils en pensent. Etc. Alors, les interroger, je pense pas que ce soit la bonne méthode, mais effectivement. C'est une question, enfin, c'est un questionnement, voilà. Je vais pouvoir juger de leur raison. Ce sont des témoins potentiels, ils ont fait la route avec eux, ils ont peut-être entendu un truc. On est autour d'un feu de camp, effectivement, on peut. De toute façon, ils ont entendu notre arrivée, ils savent qui on est. C'est la conversation dans le bon sens, mais pas forcément les. Ils savent pourquoi on est là, donc autant y aller droit au but. Parce que l'horloge tourne et bon, on n'a pas toute la journée. Vous approchez, vous voyez qu'il y a deux voyageurs qui ont un bébé dans les bras. Un jeune couple, apparemment. L'empathie, ça marchera bien. Et également, trois femmes. Ah, oh. Qui ont l'air d'avoir des bagages assez lourds avec elles. C'est des femmes. J'en ai toute la garde-robe. Ils ont l'air riches ou non. Des pauvres voyageurs Les trois femmes ont l'air de voyager avec le plus de choses pratiques que jolies, que élégantes. Ça fait passer le côté pratique avant le côté beau. Et le jeune couple, c'est un couple de voyageurs classiques. Vous savez pas s'ils sont là pour changer de vie ou s'ils sont juste en... Oui, voilà, justement, oui. Oui. Question à poser, quoi. Bien sûr. Nous n'avons pas à nous marier. Ah, à votre ordre. Religieux? Oui. C'est intéressant, cela. De quelle religion êtes-vous? Nous faisons partie de l'ordre. Bien. Trois, tu m'as dit, voyageuse? Trois. Je ne vous ai pas reconnu, vous n'avez pas d'habit, effectivement. C'est officiel, le but, donc... l'ordre est partout, l'ordre est tout. Ah oui, mais je les connais, moi, ça. Ah oui. Pendant que tu me... Et vous êtes comme des missionnaires vous partez l'ordre de la vague éternelle. Vous partez C'est ça? Non, attendez. C'est tout ce qui commence par ordre. Enfin, peut-on connaître le but de votre voyage? Nous sommes là pour observer, prêcher et corriger. Et corriger dans ce cas-là. Ah, alors votre jugement peut être intéressant par rapport à la situation. Êtes-vous d'accord Comment dire, nous, les trois sur ce nous qui se passe. Ne nous mêlons pas à ces histoires d'hérétiques. Bah, tout de même, je veux dire, c'est votre vie qui en dépend d'ici demain matin, donc il y a de quoi s'en mêler. Si l'ordre essaie de nous rappeler à la source, on retournera à la source, que vous voulez qu'on vous dise, c'est dans l'ordre naturel des choses. Mais si vous ne voulez pas intervenir directement, vous pourriez tout de même peut-être répondre à quelques-unes de nos questions. Elle se regarde. Ce n'est pas dans nos habitudes de répondre à de l'hérésie, mais pourquoi pas.
Avez-vous entendu ou vu quelque chose qui pourrait vous faire croire que ces marchands ont effectivement fait ce que l'on leur reproche? Une discussion. Ils sont montés très insistants envers nous, jusqu'à ce qu'on brise les doigts de l'un d'entre eux, mais après on n'a pas eu de problème. Quelle sera votre intention si demain les elfes passent à l'attaque? Contre les marchands? Contre les elfes? Non, contre les marchands. Les elfes contre les marchands, oui. Ce sont des voyageurs avec des marchands. Oui. Donc si les elfes attaquent la caravane, oui, donc quelle va être leur réaction? S'ils attaquent les... Si les elfes attaquent un être humain, nous purgerons l'hérésie, c'est tout. D'accord. Pouvez-vous me rappeler rapidement les... Ce que... les préceptes de votre ordre? Pas très au fait. L'ordre et la lumière et tout. Ils sont bénis dans le désert quand même, la lumière. Si la lumière et tout, alors les elfes font partie de la lumière. Non. Wow. Ça fait quoi d'être les hérétiques, les gars? On va peut-être pas débattre de religion, alors ça m'a l'air un peu bloqué. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et ce jeune couple, tu ne veux pas les questionner aussi? Si, enfin, là je m'adressais aux membres de l'ordre. C'est les seuls qui restent, non? Il n'y a que des membres après, de l'ordre. Non, non, il y a un couple avec un enfant. Je vais me poser. Votre enfant va-t-il bien? On arrive à le protéger de du soleil, donc pour l'instant, oui, il n'y a pas de problème. Vous avez de quoi le nourrir? Oui. Il se passe bien? Oui, oui. Il est encore allaité. Et avez-vous essayé de jouer sur la corde de la sensibilité des elfes par rapport à votre enfant pour vous mettre sous protection, quand même? À vrai dire, nous avons peur de... Donc si vous entreprenez un tel voyage, la première fois qu'on nous croisons un elfe, il se jette sur un humain en étant fou de rage. Comprenez que la première impression n'est pas forcément des plus rassurantes. Oui, enfin en même temps, vous n'êtes pas dans l'histoire en direct, donc. Après, j'ose espérer qu'ils feront la différence entre les causes de son malheur et des gens innocents. Je l'espère. J'espère pour vous également, oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de toute façon contre les elfes? Sans vouloir vous vexer, bien évidemment. Non, non, mais je comprends. Même si vous n'avez pas la même stature qu'eux. Je comprends tout à fait. Votre priorité, voilà. Votre couple et votre enfant. Quoi. Mais par rapport aux marchands maintenant, vous avez dû donc rester... Nous avons rejoint la caravane il y a une journée. Il y a une journée. Et depuis, n'avez-vous point entendu de conversation étrange ou menant à penser que ces marchands auraient commis quelques forfaits en ville? Moi non, c'est le mari qui te répond. Il se retourne vers sa femme. Et toi, Lisa? Elle baisse la tête et elle rougit. Vous aurait-il fait des avances à vous aussi? Très insistante. En me parlant de méthodes, d'accessoires, j'ai des choses que j'ai pas très bien saisies. Mais des choses qui n'ont pas l'air très agréables. Il me semble assez... je ne saurais trouver le terme. Adepte de la débauche. Mais pas dans le bon sens du terme. Merci de votre... C'est pas la gentille fille du village qui va s'amuser dans les champs. Oui. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, tout à fait, je vois tout à fait. Des questions pour vous? Je pense pas qu'ils soient plus au courant que ça. Après, une journée avec eux, c'est vrai que ça permet pas de les connaître non plus. Mais... Ça me donne surtout envie de les éviter, l'homme te répond. Ouais. Merci pour votre coopération. Le prix de votre voyage était correct ou vous avez senti que... Bien sûr, vous oui. êtes fait escroquer? Non. Hormis, c'est connu pour être honnête dans ses tarifs, et c'est tout à fait le cas. Et justement, puisque vous le connaissez de réputation, rien d'autre en dehors de justement du marchandage. Hormis, c'est la valeur sûre pour traverser les airs en toute sécurité et pour avoir les meilleures informations sur les meilleurs relais ou les villages
à traverser. Alors, mais dehors, voir comment il est connu à travers tout le désert comme étant le meilleur guide du désert. Mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est quoi, je suis n'est-ce pas, pas donc, tu parles dans le vide, dans le désert. Oui, mais écoute, je vous demande une deuxième conscience. On vous remercie. Alors, puis, je parle au vent. Essayez de prendre un peu de repos. Tu te retournes et tu vois qu'apparemment ton collègue elfe est déjà parti en courant pour attraper le gnome. Quoi, ah oui, d'accord. Mais oui, vu que tu n'écoutais pas la fin que tu parlais avec le gnome, pour moi tu l'as rattrapé en courant. Ouais, je suis assez d'accord. Je parle avec ma conscience du vent. Ta conscience avec la conscience du vent. C'est pas la mienne, moi j'en avais 4 déjà. Avec tes consciences donc du coup. Donc tu les rattrapes ou. Bah, dans quelle direction vont-ils? Le camp des elfes. Bah, peut-être t'as deux camps. Non, non, il y a un troisième point. Votre tente. Ouais, mais il est au milieu des deux, non? Oui. Heureusement qu'on n'est pas en ville, hein, parce que sinon. Mon dieu. Ah bah sinon, tu le remarques à la fumée, lui. J'ai pas fait exploser un truc depuis longtemps. Je suis un peu comme ça. Je suis sûr que je peux faire exploser un marché. Semblait-il penser à votre. Ouais, je crois que c'est pour le faire péter. T'as une fiole violette. Je me rends avec discrétion près de l'emplacement de la tente du marchand. D'accord. Donc tu vas me faire un jeu de discrétion, s'il te plaît. Donc, dextérité. Alors, 4 de dex. Par contre, j'ai 3 de discrétion. 7, il faut que tu fasses un 5 au moins. C'est de la discrétion, ça. C'est 10. Succès critique. Donc effectivement, tu t'approches. Ninja. Ninja. C'est ça. Tu utilises le jeu des flammes qui projette des ombres pour te dissimuler dans les ombres mouvantes des marchands et passer derrière la teinture de leur tente. Tu es actuellement derrière leur tente. Tu entends parfaitement tout ce qu'ils disent. Mmh. T'arrives même à gratter un peu de bouffe. Parce que t'es très malade. Tu as moyen si tu veux entrer dans la tente. Là où tu es. Succès critique. Est-ce que je reconnais au moins les personnes qui sont dedans? Il n'y a personne dans la tente, tous les trois sont dehors, ensuite autour du feu. Ah oui, d'accord, je peux rentrer dans la tente à ce moment-là. Tu entends parler apparemment d'une solution pour éviter que cet elfe s'approche ou même le tuer avant qu'il ne s'approche. Écoutons. Mais effectivement, oui, je veux bien rentrer. Elle est très vaste quand même, la tente. C'est une yourte. Ouais, donc il y a du mobilier, tout ça. Sur... Oui. Du moment que je peux entendre, oui, ça m'intéresse. Donc, tu les entends parler apparemment, et ils ont, en tout cas, un des marchands à disposition apparemment une arme qui permettrait de tuer ce fameux elfe, avant même qu'il ne s'approche d'eux. Ok, il pas acheté... plus de détails. Non, tu sais juste qu'il a, c'est un objet qu'il a acheté à une étape précédente. Dans une fabrique qui a perdu son toit récemment. Toute la conversation tourne autour de ça, il n'y a pas de... Et il dit soit, bah, je compte sur toi, mais tu l'as là. Non, il est rangé soigneusement dans mes affaires. Dans la caisse bleue, avec des petits cœurs dessus. Ok, bah c'est parti alors, donc puisque je suis dedans. Enfin, moi j'ai de fouille, s'il te plaît. Mm-hmm. Donc perception et fouille. Non, j'ai rien, fouille. Ah, perception, c'est perception c'est 6. 6, donc tu dois faire un 6 au moins. Je tombe direct dessus. Machine de guerre, quoi. Tu ouvres le premier coffret